je vous fais une présentation de box. Ça faisait longtemps. J'ai reçu une box, donc la box que je continue, la seule d'ailleurs, parce que j'ai arrêté toutes les autres pour le moment. Donc je continue la Crazy Box que j'avais tout simplement adorée au mois de décembre, au mois de janvier et du coup ce mois de février. J'avoue que nous sommes le 26, je l'ai enfin reçue, j'avoue qu'elle a mis beaucoup de temps à venir ce mois-ci, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé et c'est vrai que c'était un peu décevant parce que du coup on la reçoit pour la fin du mois, mais j'espère qu'ils se rattraperont du coup au courant du mois de mars. Donc je commence tout de suite par le design de la box. Alors à la base la box c'est une... je l'ai ouverte hein. Donc, attendez juste parce que voilà. Donc la box c'est Next Exit, voilà. American Dream by My Crazy Box. Donc ça c'était le thème de My Crazy Box du courant de mois de février. Donc le thème de l'Amérique tout simplement. Au niveau de la box en elle-même, donc elle se présentait comme d'habitude en papier cartonné. Donc je pense que vous l'avez reconnu, c'est exactement le même qu'au mois de décembre. Alors j'ai vu plusieurs vidéos où elles sont un peu déçues les filles tout simplement de ce design. Moi je suis pas déçue, je me dis c'est du recyclage, si ça se trouve il leur restait des cartons et du coup ils ont recyclé et pourquoi pas parce que du coup au moins on ressemble pas à ces connards qui tuent des arbres toutes les 5 secondes pour tout et n'importe quoi. Donc je dis le recyclage, pourquoi pas, dans tous les cas je ne réutilise pas les cartons, ça ne peut pas servir de rangement donc en soi ça dérange pas plus que ça. Je veux dire voilà c'est du recyclage, c'est bon on va pas en faire toute une montagne non plus hein. Donc c'est très bien tout de même. Même si ça ne respecte pas trop le thème de l'Amérique, quoique, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, donc je commence tout de suite. On a reçu donc les petites cartes avec l'omni du mois que je ne vais pas spoiler. J'ai mis mes trucs en dessous de la caméra, ça va le faire, donc désolée. Voilà, donc elles se présentent comme ceci. Nous avons donc le packaging avec tous les produits à l'intérieur. Je commence tout de suite par le premier produit que j'ai, qui est tout simplement génial. J'ai été un peu choquée en fait, parce que du coup j'ai jamais testé la marque de chez NYX. Donc c'est un rouge à lèvres lipstick Turned Up, voilà. Donc c'est la référence Tools 06, et en fait il se présente comme ceci. Donc il est rouge, et voilà. Présent comme ça et en fait il est super onctueux, c'est celui que je porte actuellement et je le trouve trop beau. Vous savez le rouge c'est la vie, je perds mon gilet, oui parce que j'ai froid, parce que je suis malade donc j'ai mis un vieux gilet, voilà. Mais bon il est génial en fait, il est rouge, il est magnifique, il est onctueux, crémeux, enfin tout ce que vous voulez, bref il est ultra hydratant. En plus de ça j'ai eu une facilité à le poser, c'était super bon. Et vraiment il est trop joli, même mon copain le trouve beau. Alors pour qu'un homme vous dise ça, franchement c'est qu'il est joli. Bref lui j'ai tellement craqué, je crois que c'est le favori, il va même pas me lâcher celui-là, je vais le mettre tous les jours. Ensuite je vous dis le prix pour celui-là si je le trouve rouge à lèvres. Donc Turned Up NYX Los Angeles. Donc il est à 6,90€. Voilà. Ensuite on prend le deuxième produit. C'est un vernis à ongles. Donc j'ai pu remarquer qu'on a souvent des vernis à ongles. Et moi ça me plaît beaucoup. Donc de nouveau j'ai regardé d'autres vidéos et j'ai pu voir que certaines n'ont pas apprécié d'avoir des vernis à ongles dans chaque box. Moi je trouve ça vraiment bien parce que tant que c'est pas la même couleur, c'est super pour moi, je suis trop contente. Même si j'ai pas beaucoup d'ongles, ça me motive à les laisser pousser du coup. Du coup je les ai mis, je vous mettrai une vidéo de toute façon, enfin une photo de toute façon à la fin. Donc c'est de la marque Essie et la couleur est un peu rose, ouais rose nude. Mais franchement c'est un joli rose, je le trouve trop joli. Et au niveau de son prix, si je le trouve... Vernis Essie Resort Fling Miami Baby il s'appelle. Donc il est à 9,50€, voilà. Ensuite nous avons un produit de chez L'Oréal Paris. Donc ce sont des stickers de Color Rich le Nail Art. Donc ce sont des stickers à mettre sur les ongles. Je ne suis pas spécialement fan de la couleur, enfin du motif plus précisément. Mais pourquoi pas quand on a, voilà, en été ça je pourrais le mettre facilement avec une robe en fait.
Du coup, il y a plusieurs coloris, il y a plusieurs motifs et c'est vraiment super. Et ça s'appelle Nail Art L'Oréal Pimp Your Nails. Et c'est à 11,90€. Donc dedans, il y en a 10. Franchement, je trouve ça plutôt cool. Ça peut aller avec tout. Voilà, c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de choses. En plus, ça, je sais même pas comment ça se met. S'il faut les mettre et après, il faut limer, je crois. Bref, je ne sais plus. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons un fard à paupières de chez L'Oréal Paris. Donc, voici comment il se présente. La couleur infaillible, indéfectible, matte finish. Fard à paupières, couleur ultra concentrée, tenue 24 heures. Donc, la référence est 030 Ultimate Black. Donc, je vais l'ouvrir. Il y a une espèce de petit truc là. Trop mignon. Bref, voilà. Si le focus se fait, en espérant qu'il se fasse. En tout cas, il est vraiment pas mal. Donc là, j'en ai mis sur mes yeux. J'ai juste mis ça en fait. Et j'ai estompé. Du coup, je le trouve vraiment bien. Effectivement, il tient super bien. Et il est facile à travailler. Il est vraiment, vraiment top. Enfin, moi, de toute façon, L'Oréal, c'est de la très bonne marque. Et je l'adore. Et celui-ci, il est à. Attendez, il faut que je trouve. Trop de cartons. Fard à paupières L'Oréal You Worth It, il est à 12,90€. Vous savez que déjà là on a remboursé je ne sais combien de fois la box hein, parce qu'elle fait 12,50€ la box avec les frais de port. Du coup on l'a remboursé avec un seul produit hein, c'est juste énorme. Ensuite nous avons le goodies du mois, on va dire ça comme ça. C'est un bandeau à mettre sur les cheveux. Je trouve ça vachement américain parce que je sais pas si vous le faisiez, moi je le faisais en 2000 quand j'avais un certain âge. je m'attachais les cheveux avec une queue de cheval et je mettais un bandeau au niveau de la queue de cheval et je laissais descendre. Et en fait la particularité qu'il a, je sais plus parler, c'est que dedans il y a une barre en métal. Alors moi je trouve ça top parce que on peut vraiment ressembler à ces girls qui font des chignons ou des queues de cheval. Ils mettent leur bandeau et en fait ils en font tout simplement un nœud papillon, vous voyez. Donc, comme ça là. Comme ça. À peu près, hein, je ne sais pas en faire, hein, mais bref, je trouve ça vraiment trop chou sur les cheveux, ça fait trop trop beau et je trouve ça vraiment top. La couleur en plus elle est trop jolie, il est facile à plier, on peut le ranger partout, on peut l'emmener partout, bref, je l'adore, il est trop trop bien. Et comme dernier produit c'est l'Omni du mois, alors eux ils appellent ça objet make-up non identifié. Donc c'est un super liner l'or noir de L'Oréal. Donc on a des petits tutos en fait de comment mettre le liner, si on veut le trait liner classique, glamour, graphique ou le Are You Crazy. Alors il vaut combien? On n'a pas le prix, si, 14,90€. Il est trop trop joli, il est black gold, alors moi j'en ai mis, donc c'est extra tenue, point de précision, il est vraiment, vraiment top, je vous l'ouvre, je vous montre à quoi il ressemble. En fait la pointe c'est une espèce de pointe... de points de feutre mais ultra douce et quand on le met en fait c'est vraiment très pratique, on peut vraiment bien tracer la ligne. J'ai pas eu besoin de ma petite cuillère du coup. Bref, il est vraiment vraiment top, je l'adore et en plus de ça il a une particularité que j'apprécie beaucoup. Je vais le swatcher pour voir si vous le voyez, j'espère que vous allez le voir. Donc quand vous pouvez tracer des traits juste énormes. Donc je vais bien le swatcher pour bien vous montrer, j'espère que ça va se voir en fait. Voilà, donc là j'ai swatché la race en fait de produits. Bref, donc il est black gold, ouais gold. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait il a des reflets dorés, il y a des paillettes dorées dedans. Et ça tient de ouf, hein. C'est vraiment top, bref. Et ce produit est vraiment vraiment génial, il va pas me séparer, je vais pas m'en séparer non plus, il est vraiment top. Non, il y a vraiment des reflets dorés et j'adore ça, hein. Vraiment ça fait très festif, je vois trop ça pendant les fêtes. Vraiment, il est top. Voilà,
J'en ai fini pour cette présentation de box. Je trouve que cette box est vraiment géniale, tout simplement parce qu'elle vaut 12,50€ seulement, et que les produits vaut largement plus en fait. C'est vraiment un bon deal pour avoir du make-up pas cher. Je trouve ça vraiment vraiment top. Et ouais non, c'est vraiment cool. Moi j'adore cette box. De toute façon je suis fan de cette box. Ça fait maintenant 3 mois que je l'essaie, que j'ai pas pris un abonnement sur un an. J'ai pris un abonnement mensuel pour le moment, vraiment pour tester, pour être sûre de moi. Mais là je pense que je vais souscrire un abonnement de 1 an, parce que elle est géniale en fait, hein. Y a pas à dire, les produits sont vraiment bien, les produits sont de marque, on les connaît les marques, enfin bref, moi je suis totalement fan, voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à souscrire un abonnement sur ma chaîne, ça ferait très très plaisir. En plus comme dit, vous êtes plus de 1000 et j'en suis toujours aussi contente, vous me suivez, je suis trop trop contente. Laissez un pouce en l'air si vous avez liké la vidéo, et laissez un pouce pas en l'air si vous n'avez pas liké la vidéo bien sûr, partagez. Bref, faites ce que vous voulez, dites-moi tout en commentaire, et puis moi je vous souhaite une agréable journée, soirée, matinée, comme vous voulez en fait. Bye bye tout le monde.